L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les amis, n'oubliez pas à consommer avec modération. On est parti, petite game avec la maîtresse. Ouh là là, on a eu un gros plan là, sur son fessier. Incroyable. Est-ce que je vais voir un des survivants sortir sa petite tête? Non? Oh, c'est terrible, c'est pas vrai, putain. Mais ils sont par ici. C'est bourrico, non? Même pas. Ils sont partis. Mais... Je crois qu'elle a pas compris ce qu'il y arrivait. Ah oui! Allez, vas-y, à terre, toi déjà. Hop. Hop là, nickel. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires dans les parages? Je crois qu'il y en a un volontaire par là, non? On va taper sur le générateur. Tranquillement. Hop là. Ah bah bravo, c'est le bordel, hein, t'as vu? Y'a pas eu la relance, ok, nickel. Hop là, nickel. Va falloir qu'on récupère par contre, hein. On va récupérer des hachettes en vitesse, les amis. Ok. Parfait. Le caillou. Ah, j'ai tenté la petite hachette là-bas en vrai. Ok. C'est terrible ce début de game. C'est terrible. Bien joué. Bon là par contre c'est cuit. Vas-y, on va y aller tranquille parce que là du coup on a tout le monde qui est à terre, c'est un bordel. On va l'accrocher, on va récupérer des hachettes. Tranquille. Oh, en soi, du coup, pour l'instant, il n'y a que deux accrochages, hein. On n'a que deux accrochages. Ah, il y a un rocher. Ah, malheureusement, je crois que je peux pas faire grand chose en vrai. Non. Ouais, ouais, du coup, il est là-dessus. Ok, nickel. Ah, trop tôt! Putain, trop tôt. Dommage. On va les récupérer tranquille. Deux accrochages hein, pour l'instant seulement. Salut Limiwa, merci beaucoup pour ton abonnement Club Prime. On a eu l'aura de personne. Dommage. Est-ce qu'on a un visu là? Là-bas, nickel. En fait on s'amuse là, juste on essaie de s'entraîner à envoyer le plus de belles hachettes possible. On a un build, on a la possibilité en plus de faire des trucs sympas. Yeah.
Ok, nickel. Elle est derrière la structure, je crois. Non ? Ah, j'ai plus de hachette, Dwight. J'ai plus de hachette. Allez, vas-y, c'est reparti, let's go. Bah, je vais le poser là, c'est bien. Comme ça, en plus, y'a tout le monde qui est à côté. Tu as plus le droit de dire que t'es pas bon avec la Huntress. En vrai, non, pour moi, j'ai pas un très bon niveau. J'arrive à envoyer de jolies hachettes sur la distance de temps en temps, tu vois, mais en vrai... Bon, on va l'accrocher aussi, du coup. Ah, let's go. Et on a Marie, Marie du coup qui s'est abonnée avec son Prime pour son premier mois, ça fait extrêmement plaisir, merci infiniment Marie, merci à toi. Et on a Limiwa, le vrai, qui s'abonne également avec le Prime. Merci beaucoup les amis. Merci de votre soutien, merci à vous deux. Salut Namet, tu vas bien? C'est le kill déjà? Oh 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 putain! Je suis là, j'arrive! Oh, c'était des darts, ça, non? Je reconnais. Petit spring burst. C'est super gentil, merci beaucoup. Il y en a une qui est au fond, hein. Ok. Alors on va accrocher celle-là, du coup, let's go. Nickel. Bah là vous avez un build qui est vraiment génial, c'est-à-dire que vous avez du repérage en permanence en fait. Là je dois avoir l'aura du coup de la survivante qui est à 40 mètres. Si elle est à 40 mètres, elle est pas à 40 mètres. Donc si les barbecues c'est pas activé du coup. Mais vous avez du repérage en permanence en fait avec un build. Oh bah tiens, salut, ça va? Donc là, bah, techniquement, t'as du repérage en permanence. Dès que tu ouvres un casier pour recharger, t'as le repérage du coup de la perque des casiers. Poursuivant le meurtrier qui accorde 2 secondes supplémentaires pour toutes tes perques de repérage. On va s'éloigner, on va les laisser relancer. Je suis dégoûté pour Néa, je savais pas qu'elle allait mourir. En vrai, j'aurais dû me concentrer un peu plus sur la game. J'aurais pas accroché sinon. Pour qu'ils soient encore 4, ça aurait été plus intéressant pour eux et pour moi. Tac, donc là, du coup, j'ai l'aura des survivants. Non, ça passe pas. Là-bas peut-être. Attends. Bon, de toute façon, il y a un arbre sur la route. Et donc, voilà, vous avez vu, si les barbecues est prolongé de 2 secondes grâce à poursuivant meurtrier qui a été up. Donc, poursuivant meurtrier, vous avez l'aura des survivants en début de partie pendant 7 secondes, si j'ai pas de bêtises, ou 9 secondes, je sais plus. Et maintenant, donc, il y a un truc en plus sur poursuivant meurtrier. Donc, c'est cette perque-là, c'est la perque de Nemesis. Vous aurez donc, en plus d'avoir donc cet avantage en début de game, avoir l'aura de tous les survivants, vous aurez donc 2 secondes supplémentaires pour toutes vos perques. Pour toutes vos perks donc de repérage, ça vous rajoutera 2 secondes supplémentaires. Donc si barbecue passe de 4 secondes à 6 secondes. Flaudrage passe de 7 secondes à 9 secondes. Et donc on a la perte des casiers, c'est 5 secondes je crois. Je crois que c'est la... Ouais, c'est la perte des casiers, c'est ça. La perte des casiers, c'était 5 secondes, donc ça passe à 7 secondes, en vrai. Donc c'est plutôt cool, en vrai. Voilà, petit voilà que l'exit, c'est ça. T'as... Bah du coup, t'as un voilà que j'en passe quasiment toute la game, quoi. Ça marche aussi sur... Murmure amer, bien sûr. Mais là, en vrai, je trouve que c'est... C'est plutôt cool comme but. Bon, on va les laisser des hooks, on va aller récupérer des hachettes, tranquillou. Non. Ah putain, elle est sortie du casier. Elle va mourir d'hémorragie. On va faire semblant du coup d'aller l'accrocher. Vas-y, débat-toi. Oh mince, le crochet il s'est cassé. Je peux pas accrocher. Non, je veux pas qu'elle meure tout de suite en vrai.
voulais lancer un... J'ai lancé une première hachette sur le casier en mode je t'ai vu. Allez, vas-y. Nickel. On va la recharger à nouveau. Peut-être qu'on aura du coup l'aura des survivants. Let's go. Hachette illimitée. Non, t'as... En fait, de base, t'as 6 hachettes. T'as 5 hachettes de base. De base, en fait, t'as 5 hachettes. Et si tu mets des add-ons, tu peux monter à 6, voire 7 hachettes. Joli. Ah, là, c'est foutu. I. Le petit dédard, c'est trop mignon. Donc ouais, pour moi, en vrai, c'est un... En vrai, ce build, je trouve qu'il est grave cool. Quand tu veux jouer en mode training juste, en mode je m'entraîne à lancer des hachettes avec la Huntress. Parce qu'effectivement j'ai zéro défense après par contre, voilà, j'ai vraiment zéro défense. Parce qu'elle a pas bougé. L'autre elle a move 1 bien sûr. Ok. Ah putain, il y a un mur invisible là. C'est peut-être la plante qui doit retenir à mon avis. Ouais, ça doit être la plante qui retient. Elle est partie en direction de la cabane. Putain, on voit du coup un rocher se générer là-bas, c'est trop chelou. Une espèce de bug bizarre. Donc ouais, vous avez zéro défense par contre, donc en vrai, contre 4 bons survivants qui jouent vraiment extrêmement bien, qui ont un bon niveau, etc. Des survivants en mode tryhard, ça va être dur, mais c'est bien aussi parce que ça permet donc d'avoir vraiment beaucoup de repérage d'aura et de s'entraîner à tenter des longs shots en vrai. Pour moi, c'est le truc, on va dire, le plus sympa sur l'Huntress, tenter des longs shots. C'est là que je prends mon fun en vrai. Bon allez, on va close la game. Personne là. Mais oui, sinon le build de la Huntress, bon, classique. Ah, d'époque, remarque. D'époque, c'était le tour est joué, intervention maléfique, vierge de fer. Ah, mais ça passe pas ça. Ok. Eh là, ça va être tendu là. Il faut pas baisser. Le i. Le dédard, c'est vraiment devenu éclaté. Hein. Franchement, c'est terrible. Ouais, j'entends Dwight là. Ah ouais, je l'entends. Voilà. Nickel. Oh mince. C'est terrible toutes ces hachettes qui partent dans la palette là, dis donc. Allez, on a plus de hachettes, on va recharger tranquillo. Peut-être qu'on va pouvoir l'avoir là. Nice. On va l'accrocher, let's go. Je crois qu'il est... Il est paix mort, non? Est-ce qu'il est paix mort? Là, ah, dommage, on y était presque. Parce que s'il est paix mort, en plus, j'ai aucun intérêt de l'accrocher sur un générateur, sur un crochet comme ça. Ok. Je sais pas pourquoi il a baissé la palette, en vrai. Il aurait dû rester derrière le caillou. Mort. Ouais, je dis P mort des fois, tu sais, en P3 du coup quand tu l'accroches il meurt instant. Je sais pas si c'est P2, s'il va passer P2 ou s'il va passer P3, on va voir.
Ah tu vois, du coup aucun intérêt de l'accrocher là en fait. Ils sont derrière. Dommage, j'ai pas l'aura du coup de la survivante. Ah attends. Ah non du coup 30 secondes de recharge effectivement ouais. Malheureusement. Ok. 30 secondes de recharge. On va faire comme si j'avais pas vu. Hein. Range la WAP, on va dire que tu cheats sinon. Ma petite Huntress, elle a une EVP des fois, c'est rare, hein. C'est rare qu'elle ait une EVP dans les mains. Non mais... Là c'est le timing, hein, vraiment. Hein. Là c'est le timing, j'ai vraiment passé pour un cheater en vrai. C'était vraiment au pif. Hein. Nickel. En vrai, je pense qu'ils vont me traiter de cheater. Honnêtement. Hein. Honnêtement, ouais. Ouais. Après, tu regardes les perks. Tu regardes les perks et tu comprends après qu'il y a du repérage d'aura à gogo, du coup, sur absolument tout, quoi. Parce que donc, la concoction luisante que j'ai également, donc, la donne violette. Dès que je vois une hachette sur un survivant, j'ai l'aura, donc, pendant 5 secondes, plus 2 secondes supplémentaires avec portion d'entrée. Non. Attends, je crois l'avoir vu là-bas, non? Ah, c'est donné. Rename-toi, configuration, petite question. À quoi tu jouais avant DBD? Je jouais beaucoup à CSGO. J'ai 2000 heures sur CSGO à peu près. Ah, avant DBD, je jouais énormément à CSGO. C'était mon jeu, quoi. Mais après, j'y jouais en mode détente, franchement. J'étais pas en mode tryhard, tu vois, même si des fois on aimait bien, tu vois, quand même. Se rapprocher un petit peu, tu vois, du Global Elite. Mais en vrai, ça restait quand même assez fun, dans l'ensemble. J'ai pas... On pourrait l'avoir la lumière rouge là. Le problème c'est qu'en fait il y a tellement de végétation. Il y a tellement de végétation en fait sur l'autre vers l'autre interrupteur que. Non, elle est pas dans le casier. On devrait avoir son aura là, non? Elle doit être ici. C'est pas mes parties. On l'a frôlé là encore. Je suis désolé. Ouais, c'était là. C'était le maillon faible cette survivante, oui. Elle a eu un petit peu de mal, ouais. C'était instant.
c'était instant. GG. Putain. Salut Kiki Sky, merci pour tes 9 mois. Merci beaucoup. Bon, la game était cool. En vrai, voilà, je recommande ces 4 perks en mode juste training. C'est juste en mode entraînement. On a 0 défense, donc je fais le récap. Poursuivre un meurtrier qui vous donne 9 secondes de repérage d'aura des survivants en début de partie, c'est super cool en vrai. Vous avez quand même la possibilité du coup d'envoyer de belles hachettes en début de partie et d'enlever un segment de santé à un survivant direct dès que la game commence. Par contre, vous êtes grillé, hein. Après, quand tu te prends une hachette comme ça, tu sais que le tueur a poursuivre un meurtrier. Mais donc l'avantage de cette perte, c'est que maintenant en fait vous rajoutez donc 2 secondes de repérage d'aura supplémentaire pour toutes vos perks à repérage d'aura timé. Comme Flaudrage, vous avez 7 secondes, ça passe à 9 secondes. Chili Barbecue qui passe donc à 6 secondes. Vous avez donc également Ténèbres Révélées qui passe à 7 secondes également, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est plutôt cool en vrai. Ça permet d'avoir beaucoup de repérage d'aura. Et sur Concoction Usante également, ça rajoute 2 secondes. Donc vous passez à 7 secondes de Concoction Usante. Donc ouais, on a vraiment, vraiment beaucoup de repérage d'aura. On a un genre de Wallach legit durant toute la game, quoi. C'est plutôt sympa du coup pour s'entraîner en way de longue hachette.